événements qui surviennent dans notre vie, sommes-nous condamnés à n'être que ce que le sort nous réserve, que la cicatrice béante de notre passé? Sommes-nous tributaires de la chance et de celle qu'on considère comme étant son contraire? Sommes-nous de passage en ce monde pour simplement énumérer les causes de notre naufrage personnel et collectif? Vous avez vu juste. Noir et la voile, le continent de la grande dignité n'existe pas. Noir et la voile, comme cette époque il est vrai. Noir et la voile, mais n'est-ce pas au cœur de la nuit noire que l'on peut voir apparaître les étoiles? Montre l'exemple et sois patient. Convainc l'équipage de reprendre la mer avec toi vers d'autres horizons. Le continent de la grande dignité, il est vrai, n'est pas une destination. Et sache qu'aucun tour du monde ne t'y mènera. Mais chaque fois que tu t'es mise à sa place, chaque fois que tu as tendu la main, offert ton épaule, ouvert ta porte, partagé ton pain, donné ton temps, essayé de comprendre, dénoncé l'injustice, gardé silence, écouté jusqu'au bout, demandé pardon, fait confiance, aimé. Chaque fois que tu as pardonné à ceux qui n'emboîtaient pas le pas, à ceux qui détournaient le regard, à ceux qui rebroussaient chemin, en continuant toi-même d'avancer, même seul, même sous l'orage, même si tu avais mal, peur, faim, même si tu étais désespéré, même si tu n'y croyais plus, même si on te regardait de haut, avec mépris ou plus du tout. Chaque fois que tu as regardé, vraiment, écouté, vraiment, aimé, vraiment, sans attendre de l'être en retour, chaque fois que tu as souri, laissé passer, attendu, juste un peu plus, chaque fois que tu as pris le temps des mots, que tu as ralenti, réfléchi, que tu as choisi d'inclure, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, chaque fois que tu as renoncé à la violence en continuant de te battre pour les droits de tes frères humains, chaque fois que tu t'es rappelé que cet autre est ton semblable et que tu as insisté pour que chacun le reconnaisse, pour que chacun reconnaisse en l'autre comme en lui-même son humanité. Chaque fois tu es entré sur le continent de la grande dignité. Le continent de la grande dignité n'est pas un lieu, c'est une attitude. Le grandiose comme la magie de ta vie ne découlera jamais des événements extérieurs. Le grandiose comme la magie de ta vie sera toujours ce que tu en feras, comment tu la transformeras, comment tu la percevras et comment tu choisiras de t'engager pour conduire chacun en commençant par toi-même, à faire équipe avec l'autre pour tendre ensemble vers une meilleure humanité. Une humanité qui comprend que le seul véritable bonheur possible est celui de tous.